Voici mademoiselle Patricia Cass. Sont les hommes qui pardonnent, fusionnent et qui donnent leur âme dans les bras d'une femme. Où sont les hommes qui laissent éclater leur faiblesse au grand jour pour vivre un grand amour? Où sont les hommes qui osent proposer un avenir meilleur, un remède au malheur? Où sont les hommes qui se battent et combattent, vont au front de leurs rêves et vous emmènent ailleurs? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Qui disent haut et fort que l'amour n'est pas mort et qui espèrent encore? Où sont les hommes qui pour rester debout effacent leur passé rongé par le remords? Où sont les hommes qui pleurent dans les larmes et demeurent leur empale ultime souffrance? Où sont les hommes qui savent faire pour une œuvre et donner à leur vie l'espoir d'une autre chance? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes qui se livrent sans pudeur et décrivent sans peur ce qu'ils ont dans le cœur? Où sont les hommes qui plongent ou s'allongent sur le corps d'une femme pour annihiler sa peur? Où sont les hommes qui marchent, qui font taire et les lâchent? Ils ne mâchent pas leurs mots jamais. Où sont les hommes qui laissent entrevoir ce qu'ils ont de plus noir? Ils livrent leurs secrets. Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes? Où sont les hommes qui tombent à genoux et qui deviennent fous pour l'amour d'une femme? Où sont les hommes qui continuent de croire en celui que partout tous les autres condamnent? Où sont les hommes qui lèvent leurs yeux et leurs mains vers le ciel implorant le pardon? Où sont les hommes qui, quand ils parlent à Dieu, sont prêts à écouter un jour ce qu'il répond? Où sont les hommes? 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 Patricia Cass, où sont les hommes? Bonjour Patricia. Bonsoir Patricia. Bonne question, avec un orchestre uniquement de femmes. Oui, j'ai vu. Voilà, il faut le rappeler. 14, 15 et 16 octobre au Grand Rex, voici l'album. Ça, c'est une chanson de mademoiselle Léa Ivan et monsieur Bill Giglione. Mais il y a également des textes d'Obispo, Goldman, Renaud, Cabrel, Stéphane Echer, Rodagil, entre autres. C'est pour vous ou quelqu'un de vos amis. Alors, merci. Justement. Il y a ce qu'il y a à l'arrière du disque, il y a ce que vous portez sur le bras droit qui intrigue beaucoup notre réalisateur. Enfin, ça dépend de ma tenue. Alors, ça m'intrigue beaucoup. Je vous ai vu autour de la télévision, je dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est le symbole de la femme. Ah bon? Ben oui, parce que je me suis dit sexe fort. C'est vrai que quand on regarde dans le dictionnaire, le sexe fort, c'est masculin. Et je me suis dit, premièrement, je trouve que, je sais pas, c'est un symbole qui me correspond bien, parce que j'aime bien tout ce qui est un peu fille, enfin féminin, les vêtements, tout ça. Mais c'est seulement là, il y a d'autres ailleurs, dans ces sur le bras. Pardon? Vous avez d'autres tatouages ailleurs? Non, des fois je l'ai sur le ventre. Ah oui, il me semble, je vous ai vu. Oui, oui, non, ça dépend vraiment de ma tenue. Hein. Là, il sait que c'était bien là. Très bien. C'est un beau sujet, hein. Les hommes.
depuis que vous chantez, d'ailleurs les auteurs qui ont écrit pour vous, que ce soit Entré dans la lumière, Il me dit que je suis belle, Mon mec à moi, c'est un vrai sujet, hein. C'est pas par hasard si vous chantez ça. Oui, mais je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde, l'amour, parce que c'est un sentiment que tout le monde connaît. Enfin, je pense, j'espère. Donc, j'aime chanter l'amour parce qu'on peut avoir l'amour d'un pays, l'amour d'un ami, l'amour d'une mère ou l'amour d'un homme. Donc, alors, Gisèle Brigida disait tout à l'heure que lorsqu'on est une star, qu'on est jolie et qu'on est célèbre, qu'on soit chanteuse, actrice, les hommes ont peur de nous approcher. C'est vrai? Je crois que c'est... Enfin, je pense que c'est l'indépendance qui fait peur, plus que... Oui. La notoriété. La notoriété, c'est pas facile parce que forcément, quand un homme entre dans ma vie, il doit partager, il doit accepter qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc, c'est là où ça devient difficile, mais je pense que c'est l'indépendance qui fait peur. Oui. Le mec se dit, elle veut rester libre, indépendante, elle a un métier. Surtout avec le temps qui passe, on s'installe une petite vie. Et on se dit, bon, moi, je veux bien partager, parce que l'amour, on partage, partager ses passions, etc. Mais après, on a quand même, on s'est créé un espèce de petit en monde. Fait, si j'ai bien compris, toutes les femmes dont je parle, mais vous n'êtes pas les seules, elles veulent bien avoir un homme, mais quand elles en ont envie, et seulement quand elles en ont envie. Après, il faut qu'il rentre chez lui. Non, mais il y a aussi une question d'argent. Patricia gagne sa vie. Oui, alors, qu'est-ce qu'un homme peut lui offrir aujourd'hui? C'est très difficile d'arriver... Est-ce que vous avez trouvé le prince charmant? Moi? Oui. Je ne sais pas encore. C'est une réponse que j'aurai à la fin de ma vie, parce que peut-être que je l'ai déjà rencontré. Oui. Mais peut-être que... Ça m'avait donné cette impression quand vous chantiez Mon mec à moi, quand même. J'étais jeune, quand même, à l'époque. Hein. Oui, j'avais 21. Mon mec à moi. 21, oui. C'est Barbelivien qui a écrit ça, non, Mon mec à moi? Oui. Ouais, exact. Enfin, Barbelivien Bernheim. Bernheim. Et là, les plus beaux yeux de la chanson française. Vraiment. Hein. Oui. Vraiment. Alors, merci. Votre rencontre vous a marqué? C'était sur un plateau de télévision? Non, d'abord, oui, sur un plateau de télévision, mais j'avais entendu ce disque, je me souviendrai toujours, dans ma salle de bain. Je dis, mais quelle est cette fille qui chante avec tellement de puissance, tellement de charme et tellement de séduction? Et Patrick m'a dit, qui voudriez-vous avoir sur le plateau? Et j'ai dit, une jeune femme qui s'appelle Patricia Cass, que je n'ai jamais vue, mais la voix me séduit. Et voilà, c'est comme ça que nous sommes. C'était dans le à Vie de Recherche de Patrick Sabatier, qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Là, vous étiez avec Edmond. Très bien. Je crois que c'est là qu'on s'est vu la première fois, en fait. Oui. 14, 15 et 16 octobre au Grand Rex. Patricia Cass, merci. Merci.